Les circonstances font que nous avons dû évoquer également les obsèques du président Bédié, qui est donc le second président que nous perdons en tant que pays. Et donc le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité et de celle de l'État pour donner au président Bédié des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays.